Maintenant, on voudrait accueillir le consul honoraire de l'Ukraine à Montréal, ici, Monsieur Yevhen Choly. Mr. President of the Ukrainian-Canadian Congress, Quebec Provincial Council, Mikhail Shvech, dear friends. It was supposed to last 3 days. In 3 days, Russia thought that it would be able to take over Kyiv, the capital of Ukraine, get rid of the Ukrainian government, install a puppet government, and control the whole of Ukraine. As we all know, that failed miserably. So the next plan was that by their victory day on May 9, they would control the whole of the Donbass. And that failed miserably. The good news that I want to tell you tonight is that Ukraine will win. Ukraine will win this unprovoked, genocidal war launched by Russia against Ukraine. Our mission as Ukrainians living outside of Ukraine is to ensure that this happens as soon as possible. The Canadian government has already passed a unanimous motion reiterating what the President of the United States declared on April 12th, that what is happening in Ukraine is a genocide. And when a genocide is occurring, we all have a duty to ensure that we stop it as soon as possible and that we stop the killing, we stop the raping, and we stop the starving of Ukrainians, and we ensure a quick victory. The formula is not complicated, but it takes political will. The formula is to provide Ukraine the necessary lethal weapons in order for Ukraine to be able to impose a no-fly zone and to stop the bombardments of civil infrastructure, the destruction of residences, and the killing of innocent civilians, including children. The formula is also to ensure that Russia is totally isolated, so that Western dollars do not finance a genocidal war against the Ukrainian people. It's the 81st day since Russia launched this genocidal war against Ukraine, and Ukrainians are showing incredible resistance, heroism, and this heroic battle is nowhere clearer than in Mariupol, in the steel mill where Ukrainians are defying all military logic in holding their own.
We need to ensure that after the evacuation of civilians from that mill, that injured soldiers be evacuated. We need to get on the phone to our local MPs, use social media, speak with civil society, engage as many people in this process until we get the military wounded evacuated from the mill. C'est le 81e journée depuis que la Russie a déclenché cette guerre non provoquée, cette guerre génocidaire contre l'Ukraine. La Russie croyait qu'elle aurait déjà depuis longtemps, dans les premiers trois jours, pris le contrôle de la capitale de l'Ukraine, Kiev, aurait remplacé le gouvernement ukrainien par un gouvernement qui répondrait à toutes les instructions de Moscou. Et ce plan initial a échoué de façon magistrale. Le deuxième plan était que pour leur jour de la victoire, le 9 mai, la Russie contrôlerait l'ensemble de la région de Donbass. Ce plan a également échoué misérablement pour la Russie. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est qu'il devient de plus en plus clair que l'Ukraine gagnera cette guerre génocidaire non provoquée. Et non seulement qu'elle gagnera cette guerre, mais qu'elle reprendra les territoires qu'elle a perdus depuis 2014. Alors, quelle est notre mission? La mission des Ukrainiens et des non-Ukrainiens à travers le monde, c'est de s'assurer que cette guerre génocidaire prenne fin le plus rapidement possible et qu'on minimise le nombre de gens qui sont tués, blessés, violés et qui souffrent parce qu'on leur impose une fin artificielle. Notre devoir, lorsqu'un génocide est commis, et de s'assurer qu'on y met fin sans délai. C'est notre mission et la clé du succès n'est pas compliquée. Il faut fournir à l'Ukraine les armes nécessaires pour qu'elle puisse assurer que son ciel est protégé des bombardements et des frappes militaires qui causent une destruction incroyable de l'infrastructure civile, des résidences de civils qui tuent des civils, y compris des enfants. Il faut également fournir à l'Ukraine de l'artillerie lourde pour qu'elle puisse repousser l'armée de la Russie aux frontières de l'Ukraine et de la Russie. Il faut également isoler
totalement la Russie afin que les dollars de l'Occident ne financent pas une guerre génocidaire contre l'Ukraine. Il faut faire notre maximum pour assurer que les soldats blessés dans l'usine Azovstal à Mariupol puissent être évacués, tout comme les civils ont été évacués. Je vous demande de continuer à prier pour l'Ukraine et pour les Ukrainiens qui subissent l'enfer sur terre. Je vous demande d'être actifs, d'être sur les réseaux sociaux pour communiquer les horreurs qui se perpétuent en Ukraine et pour encourager l'Occident d'aider l'Ukraine. La guerre génocidaire de l'Ukraine doit être la première nouvelle lorsqu'on ouvre la télévision et lorsqu'on regarde les nouvelles. Il ne faut pas qu'elle soit repoussée au troisième ou quatrième plan. On ne doit pas s'habituer à une guerre génocidaire. On doit la prévenir. Il en est de l'intérêt de l'ensemble de la population au Canada et à travers le monde, car une victoire de l'Ukraine est la seule et unique garantie que l'Europe, et non seulement l'Europe, mais le monde, vivra dans la paix, dans la sécurité, dans la stabilité. Et c'est le message que vous devez communiquer à vos députés, à la société civile et partout où vous pouvez. Вийшли на вулицю ще раз. Це не є все приємно, і ми як їхали тут, то падав дощ. Але я вас запевняю, що краще, що падав дощ, ніж що падали бомби. А в Україні українці терплять, бо паде не тільки дощ, падуть бомби і нищуть українців і нищуть українських дітей. Тому я вас закликаю, щоб ми, так мовити, не привикли до того, що в Україні відбувається геноцидна війна. А щоб ми всі все робили, що є можливо, починаючи від молитви, а відтак, щоб ми з урядовцями, з неурядовцями, з громадянським суспільством, в соціальних мережах це питання видвигали кожного дня кількаразово, аж доки Україна не виграє і не запевнить мир і стабільність в Європі. Закликаю вас до такої молитви, закликаю вас до такої роботи, і запевняю вас, що як українці в Україні будуть далі
так боротись, а вони це будуть напевно робити. А ми їх будемо підтримувати, то ми переможемо, і перемога буде скоріше, як Бог хто міг передбачити. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! До перемоги!